vous avez tous remarqué, je suis un jeune homme. Un jeune homme issu des années 70. La décennie qui est sans conteste, la pire décennie côté vestimentaire. Non, c'est vrai, mais j'ai compris pourquoi les vêtements étaient si laids. C'est parce que les dessinateurs de mode étaient encore sur leur gros trip de LSD des années 60. Hey man, on va faire chier tout le monde. On va tout faire en polyester. Puis en brun. Moi, je me rappelle, ma mère me faisait porter des chemises Miracle Mark avec des cols longs de 18 pouces, gros comme des deltaplanes. Elle me lançait en bas du bloc appartement pour aller à l'école. J'arrivais dans la cour d'école comme la sœur volante. Je regardais autour de moi. Tout le monde avait une coupe René Simard. Moi, ça m'allait super bien. J'ai manqué quelque chose de nos jours dans les cours d'école. Pour être cool, il faut que t'aies tes Nike Air, tes pantalons MC Hammer, ton coat de cuir, ta casquette des Bulls, ton Discman. Yo, what's up? Yeah, boy! Yo, yo, yo! Dans mon temps, c'était plus simple. C'était beaucoup plus simple dans mon temps. T'avais ton kiwi. T'avais ton kiwi sur toi, en petite boule sur côté ou en jupe, t'étais toujours prêt pour l'action. Mais dans la classe, pour être in, il fallait avoir beaucoup de crayons de couleur. Beaucoup de crayons. Il y avait toujours le petit fils de riche qui rentrait dans la classe avec son container géant en métal de crayons de couleur Prismacolor. Hein? Il ouvrait ça sur son pupitre. Quelle couleur désirez-vous? Il y avait 20 000 couleurs. 10 verts, 20 jaunes, 15 bleus. Des couleurs genre bleu émeraude, Saint-Barthélemy, Caraïbes. Étendu sur la plage, sirotant un piña colada bien frappé. C'est des couleurs chiantes. Moi, j'avais mes 8 couleurs crotto, puis j'étais de bonne humeur. Bleu. Tu veux du bleu pâle? Pff, m'a pesé moins fort. Mais, je dois admettre que j'ai toujours eu un problème avec une teinte qu'on appelait couleur peau. C'est vrai, à chaque fois que le professeur disait « Sortez votre couleur peau, là! » Moi, je sortais mon brun. Ça m'a pris 3 ans de sortir de la maternelle. Et que ça me laissait perplexe, ça me laissait perplexe. T'sais, je remontais sur le toit de l'école, puis je retournais chez moi. J'arrivais chez moi, la première chose que je voulais faire, c'est regarder la télé. Maintenant, les jeunes ne regardent plus la télé. Ils ne regardent plus la télé, ils jouent au Nintendo. Nintendo! Maudit chanceux. Nous autres, on n'avait pas de Nintendo pour nous abrutir quand j'étais jeune. Non! Nous, on avait des émissions de télé avec des animaux plus intelligents que les humains. Comme Lassie. Lassie descendait de la montagne. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Quoi, Lassie? Papa a été pris dans une avalanche sur le côté est de la montagne. Il porte un coupon rouge. Il a plusieurs lacérations. Une fracture du tibia. Une commotion cérébrale. Quoi? Maman ne viendra pas ce soir pour souper car elle fait du surtemps. Elle a mis la lenture dans le fond du compte. Et n'oublie pas de sortir les ordures. C'est ça, Lassie? C'est ça? Tout ça de whoop! Puis nous autres, on croyait ça.
Mais mon émission préférée dans les années 70, c'était l'émission du roi des animaux. Le roi des animaux. Dans ce temps-là, c'était pas un lion, le roi des animaux. C'était un kangourou et il s'appelait Skippy. Oui, Skippy. Chaque semaine, Skippy pilotait un hélicoptère. Tu as toujours un gros plan de deux baguettes poilues. Skippy couvrant un cadenas qui terminait sa thèse de doctorat en mathématiques. Dans ses temps libres, Skippy était DJ dans une discothèque. Yo, what's my name? Yo, S-K-I-2-P, rajoute un Y. Yo, tout semble calme, tout semble correct. Plus fort que Goldorak, plus doux que Passepartout. My name is... Skip, skip, Skippy. The funky kangaroo. The funky kangaroo. Funky kangaroo. The funky kangaroo. Vous aussi, vous regardiez ça dans les années 70? Alors après, t'avais ta coupe Renaissance, t'avais rangé tes crayons de couleur, tu portais ton kiwi, t'avais ta chemise Miracle Mart avec tes cols Delta Plane, tu prenais tes patins roulettes et t'allais au royaume des jeunes dans les années 70. T'allais au Palladium, au Patinodrome, à la Roulatec, dépendant de ta région. Oui, oui. Et c'était magique. T'ouvrais la porte. Remix. C'était le temps où Michael Jackson était jeune. Michael Jackson a fait ses débuts dans les années 70. Mike chantait avec ses frères. Il portait des bottes de Kiss. Il avait un afro de 14 pouces. Il était noir. Mais Michael, il était super gêné dans ce temps-là. Très gêné. Il faisait des chansons dans le genre... Puis après, il a vieilli. Mike a vieilli, puis il a fait des chansons comme... Mike, c'était mon frère, my brother. Hallelujah, praise the Lord. Did hallelujah. Amen. Yes. Yes. C'est du temps où Mike était mon frère. Jusqu'à ce qu'il devienne ma sœur. Là, je regarde son dernier album, là, Teenage Mutant Ninja Michael. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu
un des derniers vidéos de Michael Jackson, Black or White. J'aimerais ce soir, au Festival Juste pour rire, faire ma version de Black or White. Maestro, s'il vous plaît. Thank you.